Hier après-midi, Monsieur Edgar Leblanc fils est arrivé à New York. Après tout ça, nous qu'on est déjà eu. Monsieur arrivé à New York. Il a été reçu sur le tarmac de l'aéroport autour de Toussaint, JFK, par l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU et par Madame Dominique Dupuy, la chancelière d'Haïti. C'est un Edgar Leblanc fils, un souriant, bien frais, qui descend et avion. Ils ont gardé un background. Après que monsieur gagne des agents de Secret Service. Donc, Edgar Leblanc, mesdames et messieurs, si l'Elden Haïti, il a un doute que c'est. En tout cas, s'il t'a un doute, l'Elden Haïti, c'est président lié, et bien depuis l'ambassadeur américain, t'es fini dit, il sera traité comme tous les chefs d'État. Donc, une fois arrivé aux États-Unis, eh bien, mesdames et messieurs, le monsieur, il joigne, ça me pas brûler. Écoutez, il y a un accueil digne d'un chef d'État. Et c'est une fond bac, l'Elta Patia. Par contre, si monsieur a une photo de l'Elta Patia, eh bien, depuis l'aéroport, tout c'est l'ouverture. Eh bien, monsieur, c'est sous tapis rouge que le démarche. Monsieur Baguio. C'est sous tapis rouge que il était marché. Et monsieur prend les honneurs présidentiels. OK? Et monsieur s'est salué militairement et par l'armée et la police nationale d'Haïti. Il a été accueilli, il a été conduit par le chef de protocole du palais. Il était accompagné aussi, mesdames et messieurs, de tout appareillage qui fait de lui, vraiment, mesdames et messieurs, et le chef de l'État. On dit très clairement, mesdames et messieurs, pour une fois, et m'a bon menti, si j'ai un doute, et pas un doute encore. Il a reçu depuis l'aéroport. Monsieur de Guéin, on dit, monsieur, t'es vraiment, monsieur. Bon, on dit, c'est hier. Edgar Leblanc, fils, prend goût président tout bon vrai. OK? C'est hier, monsieur prend goût à tout bon vrai. Avant, oui, il te prend les honneurs et présidentiels, l'interpréter serment. Mais, pas oublier que, et au moment de mon bagage là, pas oublier que l'État prend l'union présidentielle là, tout le monde est là. C'est neuf mouns qui n'ont pas l'air de prendre les honneurs présidentiels. Eh bien, fois ça, c'est Edgar Leblanc fils pour compte lui, qui prend les honneurs présidentiels sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Ouverture. Mbabon, c'est où est là, monsieur président. Il me fait sentir, monsieur le président. Et monsieur Rivet, il faut qu'on dise qu'il était accompagné de madame Florence, la dame qui porte chapeau, la dame au chapeau, la ministre des Finances et de la Planification. Madame Florence, Kathleen, mesdames et messieurs, eh bien, Floristal, pardon, Kathleen Floristal, Madame Kathleen Floristal, c'est elle qui joue le rôle de Premier ministre AI. OK? Et qui dit, nous, avant qu'on y parti, et qui était payé à deux mounes, et n'a pas besoin de tout à l'heure, mesdames et messieurs. Donc,
Hugues Leblanc, depuis là, il y a avec tout grand ministre derrière lui. Il y a avec lui le chef de l'armée. Il y a avec lui madame la première ministre AI. Donc, monsieur là, monsieur président Total Capital. Il me supposait que vous allez au champ, vous allez fanfa. Arrivé aux États-Unis, j'aime bien dire déjà, il a été reçu par le gouvernement, ses représentants, à travers madame Dominique Dupuis et représentant Haïti à l'ONU. Et d'aide au monsieur, il est gagné sur quoi de service. Et quand le blanc fils arrivait, monsieur arrivait dans l'hôtel là. Hier, monsieur, pas vraiment, t'es gagné activité. Il devait normalement rencontrer, parce qu'il faut le rencontrer, le chef du gouvernement. Je voulais parler de Gary Conny. Et en tête à tête, c'est ce qu'on m'a appris. Et normalement, il devait aussi recevoir M. Leslie Voltaire, qui se trouve déjà là-bas et qui participait dans différentes activités qu'il fait déjà au niveau de l'ONU, même si nous connaissons que M. Tegon a une mésaventure. Là, il était dû participer dans le bilatéral entre le Brésil et avec Haïti. Il garde le Memphis. Pas d'informations pour me connaître. Est-ce que il était participé dans, il était recevoir chef gouvernement, ou bien est-ce que le patron recevoir chef gouvernement? Edgar Leblanc fils, il prend la parole demain sur la tribune des Nations Unies, devant les chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Ok? Bon, naturellement, moi dit du monde entier, c'est beaucoup dire, parce que le plus souvent, il y a des chefs d'État qui ont parlé, qui ont fini de parler, ils ont allé, tant qu'on ou saisi, ils n'ont pas parlé devant le Premier ministre, ils n'ont pas parlé devant Joe Biden, ils n'ont pas parlé devant le Premier ministre français, ils n'ont pas parlé devant un paquet de monde. Mais cependant, il y a besoin de monde pour le parler. Ça, c'est pour moi ce que je banne. Le plus souvent, et naturellement, si on n'a pas parlé, tout le monde a parlé, qu'on est Biden. Si on n'a pas parlé, tout le monde a parlé, qu'on est peut-être président français. Ok? Et, oui, Canada. Hein? De grande puissance. En tout cas, les grandes puissances qui ont parlé, tout le monde s'est attendu. Mais le plus souvent, les petits pays qui ont parlé, eh bien, le plus souvent, c'est ces pays qui étaient captains de rares sont les grands pays qui sont restés dans la salle pour écouter, mesdames et messieurs. Mais de toute manière, à partir de ce jeudi, eh bien, Edgar Leblanc fils, eh bien, monsieur, vraiment, poser une première grosse action en tant que chef d'État. D'ailleurs, c'est comme ça, recevoir lui, et ce sera aux Nations Unies. De qui ça va parler? Nous vous connaissons, parce que normalement, service de presse, il n'y a pas communiqué le discours. Normalement, il était supposé communiquer le discours là à la presse pour nous connaître. Normalement, dans les médias qui accompagnaient PM non, et là-bas, et en même temps, dans les médias qui sont en Haïti. Et qui t'aime dit nous tout en passant, par contre, si Edgar Leblanc parti avec journaliste. Parce que là, moi, je suis pratiquement pour contre. Et est-ce que journaliste allé dans notre avion, puisque vous avez le même tour, il était des journalistes qui ont parti avec lui. Je ne connais pas. Ok? Mais le tableau pour nous connaître, est-ce que le journaliste qui a parti avec Gadio, est-ce que vous avez pris le refus? Et je vais me garder rapidement pour moi. Donc, le blanc, nous ne connaissons pas si parti avec journaliste. Donc, au fur et à mesure, nous connaît, est-ce que le journaliste parle de tout et prend le refus, mesdames et messieurs? Mais concernant, excusez-moi, ok, me pose des questions, il a pris bonne main. Donc, Marron, c'est parti à l'agence. Mais Edgar Leblanc, demain, il a fait la première intervention, moi, je dis les Nations Unies, et moi, délégation haïtienne, il a rentré dans le week-end, il a venu là, mesdames et messieurs. Donc, Edgar Leblanc, arrivé l'autre bois, donc automatiquement, monsieur, c'est pratiquement sur l'activité qu'il peut faire. Est-ce que la vraie chance ferait des rencontres bilatérales? Non. En tout cas, même si la vraie pour le faire, pas en pile.
Et cependant que les Nations Unies jouent assemblée, la profiter faire de tir apartheid, ou bien est-ce que la bien possibilité pour faire de véritable bilatéral à la manière de Gary Conny, on va connaître, mesdames et messieurs. Mais ça, on connaît. Et la majorité d'un bilatéral qui te prévoit que la mission diplomatique haïtienne te mandé pour M. Edgar Leblanc, mais par le fait que le pas capable d'arriver à temps, et bien bilatéral, c'est Gary Conny qui fait, mesdames et messieurs. Donc, est-ce que Gary Conny, je pose la question une nouvelle fois, en profitera lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le jour même, pour rencontrer, saluer, faire des photos, etc. Je ne sais pas. Alors, on a agenda pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des rencontres qui peuvent avoir aujourd'hui? Je ne sais pas, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça la situation. Mais il faut dire que désormais, et à partir de l'arrivée de Edgar Leblanc fils à New York, mais automatiquement, Leslie Voltaire, il est devenu un conseiller du président. OK? Ou du moins, un conseiller président. Le président, c'est bien sûr Edgar Leblanc fils. D'ailleurs, c'est une raison qui fait quelque confusion. Et lorsque Leslie Voltaire s'est présenté pour entrer à la salle, on lui a demandé qui c'était. Il a dit qu'il était le président. Et puis, il a fait un Google. Et puis, le monsieur lui a dit, non, c'est pas toi, c'est monsieur Leblanc. OK? Mais normalement, si tout était planifié, Leslie Voltaire étant seul là-bas, eh bien, il représentait le CPT. Donc, il pouvait bien jouer le rôle de président de la République, mesdames et messieurs. C'est mon point de vue. Et bon, à l'arrivée, bien sûr, maintenant de Edgar Leblanc fils, automatiquement, il est là, mais il sera assisté de Leslie Voltaire, qui lui-même sont conseiller président. Ou bon, président conseil, parce que monsieur qui est pour le président pendant mandat. Et maintenant, est-ce que le Edgar Leblanc fils pourra le parler? Et est-ce que Leslie Voltaire sera avec lui sur la tribune? Je ne crois pas. Et est-ce que Leslie Voltaire sera là et de l'Assemblée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aura un siège? Je ne sais pas. C'est des questions pour nous poser. Est-ce que de l'Assemblée, n'a pas rejoint le premier ministre Gary Conny? Est-ce que les deux chefs de gouvernement, le chef du gouvernement et son premier ministre, est-ce que les deux en même temps seront à l'ONU? C'est des questions que je vais poser, mesdames et messieurs. Je vais avoir une réponse pour vous. Et ça, c'est au fur et à mesure, n'a pas connu, chers auditeurs, chers internautes.